You, y a quelqu'un? Allô? Allô? Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? On veut des autographes du Maurice. On veut voir des vedettes, on veut voir des vedettes. Ben oui, passe-moi ton crayon, là, on va te signer un autographe. Hein, Denis? Une minute, là, vous êtes qui, vous deux? Là, les Denis Drolet, hein? Les Denis Drolet, j'ai jamais entendu parler de ça. Alors, moi, je veux des autographes d'humoristes connus, là, pas des nobody. Moi aussi. Des nobody? Hey, viens-tu dire qu'on était des nobody, ces deux petits Chris-là, là? Voyons donc, les enfants, là, on est des humoristes connus, hein? Ah, ouais? Yeah, vous avez deux choix. Un, vous vous en allez. Deux, je vous gonne dans les genoux. Ah, voyons donc, laisse faire, Denis. Attends une minute. OK, là, regardez-moi bien, les enfants, là. Avec ça, là, ben, vous allez nous replacer. Fantastique! C'est fantastique! Oh oui, c'est fantastique! Ouais! OK, c'est bon, décroche. Puis, nous replacez-vous, là, hein? Non. Bon, regarde, c'est vrai que toi, t'as une drôle de face avec tes palettes, là. Mais toi, avec la grosse barbe, t'as pas l'air propre. T'as plus l'air d'un sans-abri. Martin, Matt, es-tu là? Hey, ça va faire, là. Ben voyons donc, calme-toi, Denis, là. C'est juste des petits-enfants, là. C'est normal, ils nous replacent pas. Non, mais ça fait 10 ans qu'on se fait le cul pour être connus, puis on est pas mal plus funnés que Martin et Matt, là. Ah ouais? Ben, conte-nous une joke d'abord. Ah, fais-nous rire, go. Ah, OK, j'en ai une bonne joke, OK? Écoutez bien ça, OK? C'est une fois deux pompiers ultra-racistes qui s'arrosaient ces lieux d'un incendie, OK? À un moment donné, l'un qui disait à l'autre, « Hey, le connais-tu, toi, Frankenstein? » L'autre répond, « Je le connais pas personnellement, mais si je veux, moi, je suis gêné! » Ben, écoute, donne-moi mon crayon, là, sert à rien, c'est on va aller gagner une autre porte, là. C'est-tu qui me tombe ses nerfs, ça? Moi aussi! OK, décroche, toi. Ha! Les têtes à claque!